Dernier point de la situation locale aujourd'hui. Une situation très malsaine développée aujourd'hui, mais très troublante. Bien troublant, mais bien malsain. Voilà, c'est pas qu'un inspecteur de police, il fait de l'enquête, l'eau, la mort. Des années de cela, hein, d'un jeune, pas de assis, des années de cela. Il fait sur l'enquête. Ça coule là, commissaire de police, et que ce bon. Donc, là, ils rentrent là-dedans, tout vient là-haut. Un bazar. Alors, l'inspecteur, là, dit à maman, retire-moi dans l'enquête, comme ça, ça dans la police. Il y a maman, retire-moi dans l'enquête, parce que mon suivi est trop beaucoup pression. Vous savez qui ça veut dire, ça, pression de vie. Clairement, de certaines hauts gradés dans la police. Mais c'est incroyable. Mais tout le monde vit en bas là-haut dans ce pays-là. Et papa, pire que tout, qui s'est là, qui commissaire de police a envoyé. Et si Pidjambi, le pire soir qui n'a pas venu. Parce que Fanny, c'est une famille dans cette dossier. On veut dire, on dit ça. Il est extrêmement malsain comme situation. Il est troublant. Et il est dangereux aussi. Quand les affaires de la police étalées dans la place publique, dans sa façon. Et moi, je vais venir en boulot bien. Parce que c'est un commissaire de police qui parle. Enfin, je me dis, mais c'est pas un commissaire de police, ça. Ça veut dire que c'est un commissaire de police qui peut avoir une jambe, Rodrigue, là. Il peut aller ça l'année, là, dit. Ce l'âge de retraite, ça l'année, là. Mais nous vous suivez ça d'extrêmement près. Nous, déjà, vous suivez ça d'extrêmement près. Donc, il faut risque, il y a une question tout à l'heure. Moi, le Madagascar, avec vous, moi, je connais. Moi, je suis Madagascar pour la cérémonie d'investiture du nouveau président. On reste des jours en plus. On raconte tout du monde. Gouvernement, l'opposition, tout, pas de différents partis politiques. On ne va pas choisir, dans, on a juste des amis dans Madagascar. Et une crédibilité bien forte dans Madagascar, comme dans tous les pays de la région, d'ailleurs. Bon, avec cérémonie de samedi, une situation extrêmement fluide politiquement. Et extrêmement intéressant, passionnant de développer. Il y a une occasion fantastique pour Madagascar pour un vrai nouveau départ. Il est clair que la communauté internationale dans ce ensemble, souhaite être avec Madagascar pour vraiment un nouveau départ. Bon, d'abord, une situation fluide, parce qu'avant, c'est dans des blocs, c'est dans des groupes. Mais ça découpe là, il explose. Aujourd'hui, il y en a au moins 4. Du côté du président Sorota, Rajoelina, il présente son candidat qui est le nouveau président. Avec le jour même de l'investiture, le nouveau président il fait un discours fort qui montrait que la rupture entre l'ancien président et le nouveau président qui tient ce poulet, la rupture est consommée bien. Et pourtant, l'ancien président, c'est à peu près 40% de votre député dans l'élection législative qui fait qu'il n'a pas encore pour cadre, mais il est officiel. Donc il est clair qu'il a une séparée. Le nouveau président ne sépare de l'ancien président. Le nouveau président voulait une politique d'ouverture. Et au terme de la Constitution de Madagascar, mais j'attends le résultat législatif officiel, la semaine prochaine, pour proclamer. L'air là,
qui le Parlement pour guetter. Si il y a un groupe de députés qui a une majorité absolue, le nom de Premier ministre qui je vous proposer au président est obligé de nommer. Si il y a une majorité absolue, si il y a un éparpillement, il n'y a personne qui a une majorité absolue, il y a là, président, nouveau président, il y a un Marie-Marcelin. Et vous aurez dit à Jotli, le nouveau président, il fait consulter à droite, à gauche, mauvaise qualité, clairement, il voulait un gouvernement d'ouverture, il voulait réussir à former une majorité au Parlement. Et il nomme un premier ministre de ce choix. Plusieurs noms qui sont évoqués. Y compris un bon ami à moi, Roland Ratzirac, mais le Premier ministre actuel aussi, son nom est mentionné. Le Premier ministre actuel, qui finit de faire toute sa transition-là, son nom aussi est mentionné. Donc, un côté, un jeu politique passionnant. De l'autre côté, Madagascar voulait faire sur l'apprentissage parlementaire. Ce qu'ils mettent dans cette constitution, le poste de leader de l'opposition, ce qu'ils votent la loi, dont l'opposition est le leader de l'opposition. Seulement, ce qu'ils nous découvrent ensemble, l'état de lire tout ça va de la loi, là, l'état de discuter avec tout le monde, c'est qu'ils nous donnent une situation totalement nouvelle. Parce que dans nos systèmes, nous dans le système Westminster, dans le système anglo-saxon, mais nous dans le système parlementaire, le leader de l'opposition, c'est automatiquement le député qui a la tête le plus grand nombre de députés au Parlement. Les députés de l'opposition au Parlement, c'est clair. Mais à Madagascar, c'était un système présidentiel, pas parlementaire. C'était élire au suffrage universel un président. Après, de faire l'élection législative. Mais, qui m'a dit à Amadou et Sadéla. Par exemple, je dois le dire qu'il s'est battu député. Après élection, après proclamation résultat, c'est un député qui déclare une opposition qui choisit le leader de l'opposition. Et si je choisis un monde qui n'est pas député, il vient député. Il n'est pas un candidat, il n'est pas un élu, mais si un député de l'opposition choisit un monde qui n'est pas député, il vient automatiquement député, il rentre dans le Parlement, il est nommé leader de l'opposition. Donc, il y a une confusion, il y a une situation. L'apprentissage parlementaire de Madagascar est passionnant, mais pour délicat. Dans toute la mesure que nous sommes capables, nous donnons nos coups de main, nous ne déclarons pas du tout, c'est tout moi. Mais clairement, on a beaucoup d'expérience parlementaire à partager. Comment on dit, je n'ai que des amis à Madagascar. Donc, nous nous rentrons dans une période passionnée. Et Madagascar, il a toutes les chances de son côté de prendre un nouveau départ. Il y en a une grenade. Qui canine jeté, qui malheureusement tout gagne six enfants, est complètement isolé. Tout dit monde condamne sa l'horreur. Tout dit. Et il finit une provocation, un acte totalement isolé. Quant au retour de l'ancien président Ravalomanes, qui est toujours en Afrique du Sud, l'éclair qu'il est capable de venir n'est pas tout de suite là. Nous disons, nous souhaitons qu'il laisse pas de nouvelles institutions, laisse pas de nouveaux responsables, settle down, comme disons nous. En tous les cas, ce qu'ils vont constater, c'est qu'ils vont malgache, pas inapprécier du tout l'absence de Navin Arouma. Du tout. Et moi-même, je révolte, François. Je ne voudrais même pas comprendre, non, il y a absent. Investiture nouveau président Madagascar, il y a absent au sommet
de l'Union africaine qui peut tenir là, que nous pouvons poser, et qui, nouveau président de Madagascar, tout manière. L'inabsent ou l'investiture, quand il s'est dit, qui est-ce peut faire d'Aos, qui est un gars de moi? Qui s'en a écouté son discours? Personne ne peut penser à lui. Il devait faire ce discours, il a s'en bat là, d'un coin. Qui s'en a une rencontre? Celle du monde qui nous a dit pour une famille, ministre finance l'aide. C'est une rencontre, famille. À part ça, qui s'en a une? Qui s'en a une envie rencontre? Alors, elle passe du bon temps à Davos, au lieu d'être présent à l'investiture du nouveau président Madagascar, c'est honteux. Et quand l'infini passe du bon temps, Davos il disparaît dans la nature. Personne ne connaît quoi qui était. Disparaît dans la nature. Mais vraiment, même Marie caricaturée. Dans la gazette grand matin, un speaker, une télévision peut dire c'est le premier ministre, c'est rentré de, ce matin de quelque part. Personne ne va connaître. Quand il fait faire foutre Davos, quand il n'allait après, mais laisse-moi y aller s'il n'y pas connaît, ce service renseignement commis de Pinéna là. S'il n'y pas connaît. Mais la population fait juste dire de plus en plus sévèrement hein, et toute communauté confondue. Toute communauté confondue, de plus en plus, sa population fait juste, ne fait pas jugement pour une couloune. Mais moi, ce qui attriste moi beaucoup, c'est ça l'absence à l'occasion de sa investiture du nouveau président. D'un moment, que Madagascar fait tourner une page de son histoire. Merci. Si nous sommes capables de revenir nos citations politiques d'abord, après nous allons dans les autres points, oui, citations politiques.